Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour une toute nouvelle vidéo de Clive Barker's Jericho. Donc dans l'épisode précédent, on avait fini l'époque romaine, on avait vaincu Cassius Vicus, et donc maintenant, il fallait il fallait maintenant s'occuper de l'époque sumérienne qui était la dernière époque. Ah, et le dernier niveau du Pyxis à explorer avant d'arriver au 1er mai. Enfin, juste avant le 1er mai. Donc, on va explorer. Et c'est vrai que, par contre, ces niveaux sont foutus bizarrement. Parce qu'en fait, il n'y a presque pas de niveau comme on a vu jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, les niveaux étaient foutus. On explorait, puis il y avait un boss. On changeait de niveau, il y avait un autre boss. Là... je vous spoil un peu, mais normalement ça va, c'est pas trop, parce que c'est quand même assez rapidement qu'on va se rendre compte de ça. C'est en fait des niveaux à boss. Je crois qu'il y a un ou deux niveaux d'exploration comme ça, et puis ensuite on passe directement à des niveaux où il n'y a que des boss, puis un autre boss, puis encore un autre boss. Je ne l'avais pas vu. Tu veux bien mourir? Merci. Aïe. Je crois que je vais crever. Ah bon, j'ai réussi à en soigner deux, il y en a plus que quand. Hop, on les soigne, parce que là sinon on va être dans la merde. Ça passe, pour le moment ça passe, pas de problème. Mon dieu. Je sais pas comment c'est passé tout ça. Si tu veux. Non. Jonesy, ça va? Bonjour mes chers frères et sœurs. On se barre une drôle de nom. Qui est là? Montrez-vous! Je suis Antadurunu, le fondateur de votre confrérie. J'attends depuis des millénaires d'offrir mon savoir, afin que vous pensiez la blessure et bannissiez cette abomination de notre monde. Vous savez pourquoi nous sommes ici? On nous a envoyés pour fermer la brèche. Oui, tout comme les prêtres de ce temple. La grande prêtresse Ereshkigal s'est laissée séduire par le premier-né dans ses rêves, et a enseigné les rites de sang qui ont ouvert la brèche. Elle a mené une armée de dizaines de milliers d'hommes à travers le désert de la cité d'Our pour ériger ce temple. Et quand sa construction était finie, elle les a tous massacrés. Tandis que leur sang coulait sur les marches du temple, la brèche s'est ouverte et le premier-né est réapparu sur la terre. Mais nous sept, nous nous étions infiltrés dans son armée pour la suivre dans le Pyxis. Qu'est-il arrivé aux autres? Ils se sont tous perdus. Furieuse de notre trahison, Ereshkigal a libéré le pouvoir du premier-né sur nous, et a transformé les autres en démons qui la protègent depuis. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour fermer la brèche et sceller le Pyxis. Je savais que mon sceau ne durerait pas éternellement, aussi avec mes dernières forces j'ai envoyé un message. J'ai ordonné à mes disciples d'établir un ordre sacré pour surveiller la brèche, et empêcher ainsi le retour d'Ereshkigal et du premier-né. Jericho. C'est l'un des noms donnés à notre ordre depuis des millénaires. Mais bien que le nom change, le devoir sacré, votre devoir, reste le même. Vous devez fermer la brèche. Sinon, le premier-né se vengera de l'humanité. Comment faire? Les démons qui gardent le temple ont tous volé une partie de moi. Tuez-les et reconstituez-moi pour que je puisse sceller la brèche et que le monde soit de nouveau en sécurité. Jusqu'à la prochaine fois, nous suivrons vos ordres. Nous ne pouvons plus reculer. Voilà, et donc on voit que pour sauver on va devoir sauver Antadurunu, pardon. Et donc pour cela, bah, on va devoir trouver les six autres prêtres guerriers qui du coup bah s'étaient fait capturer comme des truffes. Et du coup bah pour reconstituer son corps et qui ferme la brèche et en finir avec cette histoire. C'est folichon, j'adore les yeux roses, c'est gay. Oui. Téléportation. Oh là, petit bug de son. Je pense à toutes les choses sympas que je pourrais faire. Et ça en fait pas partie. Quelle fin de chapitre. Quelle fin de chapitre. C'était magnifique. Jericho a disparu. Sans ses hommes, Ross se retrouve seul. S'il veut ressusciter Antadurunu, il va devoir trouver les urnes qui contiennent les cendres. Ah oui, il va devoir trouver les urnes qui contiennent les cendres, mais il doit d'abord trouver un corps blanc. Donc on va devoir chercher les cendres d'Antadurunu. Allons-y. Je déteste quand tu fais ça. Un plaisir. Donc, petit passage infiltration, on n'a qu'un personnage, donc faire gaffe. Enfin, ça va, comme vous voyez, c'est pas non plus le pire pour s'infiltrer. Son sniper est a quand même un bon niveau de zoom et puis est capable de one-shotter les ennemis. Donc c'est quand même pas trop dégueulasse. Comme personnage. Oui, et vous remarquez que je me sers pas de la balle fantôme alors que je pourrais. Je suis vraiment trop con. Je sais. Putain, je l'avais pas vu ce... Je ne l'avais pas vu. Et j'ai pas réussi à l'avoir les deux. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Voilà. C'est pas grave, c'est passé quand même. Et c'est tout ce qui compte. Tu meurs. Oui, je me suis planté de bouton, parfaitement. Je voulais zoomer, j'ai tiré. Allez, tu m'entends ? Hop. J'ai bientôt fini. Donc, visiblement, on a bientôt trouvé Jones. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Oui, je suis complètement paumé. Abby, tu m'entends? C'est Jones. Ta gueule. Allez, Abby, tu y es presque. Bien géré. Donc, oui, il faut que je fasse quoi pour te libérer? Je sais pas que je vais pas te libérer, franchement, je te jure. Mais il faut que j'aille où? Non, visiblement, t'as pas envie de me le dire. Mais dis-le-moi, bordel, il se trouve où le levier qui permet de te libérer? T'as pas pu... Oui, enfin, pendant ce temps, c'est pas Leech que je recherche. Pendant ce temps, je trouverai un moyen d'ouvrir ta cage, ce serait bien. D'accord, c'était tout. Bon bah c'est pas grave, c'est déjà ça on va dire. Aucune de ces pierres ne provient de la région. Ils ont dû les transporter sur des centaines de kilomètres dans le désert. Pour le moment, je t'avouerai que tout ce qui est construction, c'est pas mon principal intérêt. Plus tard peut-être, pourtant ça m'intéresse, mais c'est juste que non, non, pas pour le moment. Voilà. Merci Jones, tu sers à rien. Pou! Black et Jones se sont réunis. L'urne qui contient la peau d'Antadurunu est proche. Hunter. Hop, et voilà, maintenant on enchaîne, on va enchaîner les boss. Donc le tout, c'est juste qu'il faut que je me souvienne de... Ah oui, c'est bon, je me souviens de ce qu'il faut faire. Et bien sûr, chaque boss a une méthode d'être vaincu. Et faut pas se contenter de leur tirer dessus comme des vidéos, il faut faire des trucs bien particuliers. Bon, bien sûr, en général, il faut faire des trucs bien particuliers, mais avec les persos qu'on a. Ils sont quand même intelligents. Bon, par contre, faut se méfier parce que c'est quand même, comme vous voyez, des ennemis assez puissants. Et du coup, on a quand même que deux personnages, donc faut quand même se méfier un peu, parce que c'est quand même très... C'est pas facile comme combat, mais bon, il n'y a pas de raison, on va y arriver. Recommencer, oui. Allez, on y va, on est reparti, et... Ça y est, je m'en souviens de ce qu'il faut faire en fait. C'est que je crois qu'en fait, le mec qui est autour, il la soigne. Donc faut d'abord tuer... Putain, mais vas-y, décoince-moi contre un mur, putain. Voilà. Aïe... Non mais... Oh là là, t'arrives dans le personnage et pouf, elle crève direct. Ça c'est le truc le pire qu'on puisse te faire, franchement. Oh là là, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je vais y arriver. Aïe, mais putain, mais arrête de tirer des boules de feu, bordel. Non, non, non. Et merde, je suis mort. Je déteste ces QTE. Parce que, en fait, le problème avec ces QTE, c'est que un coup ça te le fait et un coup ça te le fait pas. Par moment il t'attrape, par moment il t'attrape pas. J'ai jamais compris ce qui décidait ça. Mais je sais que le truc, c'est que si t'essayes de te déplacer au moment où il te chope, bah tu l'as raté le QTE. Direct. C'est ni une ni deux, c'est pouf, voilà. C'est bon. Putain, mais tu te trouves où, pauvre conne? Reste un peu à côté aussi. Oh putain, elle est... Mais elle est où? Oh, elle est trop conne, elle est dans le feu. Juste une question, vous voulez que je fasse quoi si mes amis vont se foutre dans le feu pour que je puisse pas aller les chercher? Qu'est-ce que je dois faire, moi, à ce niveau-là, quand on a atteint ce niveau de connerie de l'IA allié? Parce que moi, je veux bien être gentil, mais bon, quand même, il y a des limites. Et elle va se refoutre dans le feu. Vas-y, pauvre conne, surtout. Continue. Non, surtout, ne change pas de personnage. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Après tout, j'ai bien réussi à le faire en cauchemardesque sans mourir. Oui, parce que pour débloquer une des cartes, il faut faire les chapitres de tous ces chapitres-là, faut les faire sans mourir. Et or, comme j'ai toutes les cartes, je suppose que je l'avais fait. Ouais, trop cool. Et hop, on va crever. Déplace-toi, pauvre conne. Oh là là, mais c'est bug de... Pourquoi ça se déplace pas quand on change de personnage? Parce qu'en général, en plus, on arrive, le personnage est en train de se faire tirer dessus. Le mec lui tire les boules de feu. C'est quand même là que t'as un peu besoin de te déplacer. Mais non, elle veut pas. Mais vas-y, encore ce putain de bug de déplacement. Je veux comprendre pourquoi. Faudrait que je regarde sur internet parce que à chaque coup qu'on change de personnage après être crevé, je sais pas pourquoi, le personnage veut pas se déplacer pendant quelques secondes, mais sauf que dans ce niveau, quelques secondes, bah... Avec l'ennemi qui est en train de te taper sur la gueule, c'est pas comme si c'était pas mortel. En plus, il reste presque pas ouvert, c'est super chiant. Saleté d'urne. On va attendre calmement. Oh, il m'a one shot. Il m'a one shot, je rêve, je me prends des boules de feu, je me prends plein de trucs, je crève pas et là l'ennemi me one shot. Oh mon dieu, je vais jamais y arriver. J'ai jamais y arrivé, je vais jamais y arriver. On va d'abord essayer de s'occuper de celle qui nous jette des boules de feu, je pense. En fait, non, je crois pas que ce soit elle qui le soigne. Je crois pas que ce soit dans ce niveau que l'autre... Parce que je sais qu'il y a un niveau où il y en a un qui le soigne, donc je crois que j'ai confondu. Donc on va d'abord s'occuper de celle qui nous jette des boules de feu, qui est super chiante. Et puis ensuite, on s'occupera de l'autre dans l'urne. Ah! Déjà, ça devrait nous simplifier les choses si on se prend plus des boules de feu toutes les 5 minutes. Allons, on va vite soigner Black. Ok, il relâche son sang, on va tuer l'autre. Si mon perso veut bien. Pourquoi ça a pas marché là? Non? La télékinésie a marché, voilà, et le deuxième est mort. Ouf, enfin! Je vais y arriver. Tiens, téléphone, je décroche, je suis désolé. Enfin, je décroche, non. Alors, voyons voir, c'est par là, putain. Delgado et Rawlings, le couple parfait. C'est manqué ? Restons groupés cette fois. Donc, je crois qu'il faut Delgado, je pense. Et puis on avance. On avance, y a pas de raison. Allez, donc deuxième boss, on enchaîne. Là, on n'a presque rien fait, je suis mort plein de fois, mais c'est pas grave. Mais maintenant, au moins, on sera 4, ce sera un peu plus simple, parce que c'est vrai qu'à 2, wow, c'est super dur en fait, à 2 de survivre. Le contact a été coupé avec le reste de la section, il faut les localiser avant que les démons ne les trouvent. Et donc là on est à Cher. Allez, c'est parti. Youhou. Ah, là je sais lequel je veux. Delgado, tu viens par ici. T'as de la chance d'être mort, Ross. En voilà un autre. C'est ce que tu attendais. Y en a un. Voilà, déjà on s'en est débarrassé de quelques-uns, déjà ça les a calmés, je pense. Pour l'instant. C'était le dernier. Bon bah on continue notre chemin. C'est... Je me souviens plus trop de ce qu'il faut faire. Ah si, je m'en souviens, je vais en chier. Delgado, tu viens par ici. Alors, ce qu'il faut faire, faut aller par ici. Faut couper tous les trucs... Ouah! Faut couper tous les trucs, toutes les rotors. Comme ça. Parce qu'en fait, c'est elle qui peut se régénérer, donc ça lui permet de se régénérer en fait, donc ça fait que ça sert à rien de lui tirer dessus. Et là, lui avance, et puis ensuite, on lui tire dans son dos à lui. Et puis bah, on enchaîne comme ça jusqu'à ce qu'il soit mort. Jusqu'à ce que celui d'en haut soit mort, et puis ensuite bah on tue la deuxième, on tue celle d'en bas. Alors, il avance. Ça avance vite, ça avance vite. Je sais pas dans combien de temps il va mourir parce que je sais pas combien de vies ils ont et puis il n'y a pas d'indicateur dessus, donc bah c'est pas grave. Mais bon, ça va aller vite comme vous voyez, on enchaîne bien. Hop, premier rotor de détruit, deuxième rotor de détruit. Pendant ce temps, ça va, les autres ont l'air de gérer à peu près avec le gladiateur. J'espère que c'est pas Rawlings. C'était Jones, c'est parfait. Et voilà, le premier est mort. On détruit maintenant, on redétruit les trucs de... Voilà. Et puis maintenant, bah, on l'allume. C'est bon, c'est fait. Et ben voilà, on aura géré ce combat. Et donc là, on retrouve la deuxième urne qui... contenait donc la chair d'Antadurunu. Alors, on vous a manqué ? Et voilà, on a enfin retrouvé les derniers, c'était parti, tant mieux. Donc 100, la dernière urne qui contient la dernière partie d'Antadurunu, donc le sang, on aura la chair, la peau, le sang, et donc chaque collet de charge sans fin réapparu, les démons sumériens attendent la section de Jericho pour la détruire. Bah, c'est marrant, c'est pas rassurant. J'aime pas cette idée qu'on veuille me détruire. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on enchaîne. Allez, zou! On aura fait toute cette partie en une fois, ça fera un épisode peut-être un peu plus long que d'habitude, surtout vu les fails qu'il y a eu pour le premier combat. Mais c'est pas grave, on est fou. Alors, que je me souvienne de la tactique. Je crois qu'il faut détruire les trucs là. Ouais, je crois qu'il faut poursuivre, traquer tous ces trucs-là et puis les détruire, un à un, et puis... Ouais, je crois que c'est ça, faut les détruire un à un. Je sais pas. Et... Non, c'est toujours pas ça. Ouais, je crois qu'il faut détruire tous les sacs à viande qui contiennent des mouches, et puis ensuite ils auront plus de protection et donc ce sera peut-être un peu plus facile la suite du combat sans leur bouclier de mouche. Alors, par contre, je trouve pas le dernier. Oh putain, il est là. Salut. J'arrive. J'arrive. Voilà. Et maintenant, je crois que j'ai enfin réussi à détruire leur bouclier, donc... Ah, oh non, merde! J'ai rien dit. Bon, et puis une fois qu'on a détruit tous les essaims, je crois que le combat est beaucoup plus facile. Un de meurt, et deux de meurt. Merci, mon Dieu. Et bah, je crois qu'on a fini, qu'on a retrouvé toutes les parties du corps d'Antadurunu. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, donc je pense qu'on va se quitter ici parce que maintenant, si je me trompe pas, ça va être sacrifice. Et bien voilà, le rituel de résurrection célébré à tant de reprises au cours de ces derniers millénaires. Tant de reprises, ça va, ça fait 5 fois en quelques milliers d'années. C'est quand même, pas énorme. C'est pas énorme. La survie de l'espèce dépend du staff blablabla. Le rituel de résurrection célébré à tant de reprises au cours de ces derniers millénaires va avoir lieu pour la dernière fois. La survie de l'espèce dépend du sacrifice des 7 soldats. Partie sacrifice. Donc, on finira dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode-là vous aura plu. Le prochain épisode sera normalement l'épisode final. Après, il y aura peut-être un ou deux, ou je sais pas trop. En fait, je verrai comment je m'y prendrai. Plusieurs épisodes bonus... On fait quelques épisodes bonus pour les blablabla, pour les bonus, pour les textes que j'ai débrouillés, pour ceux qui seraient intéressés par le background de l'histoire, par le background du jeu, pardon. Et donc, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu, et moi je vous dis donc à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Clive Barker's Jericho. Allez, à la prochaine, bye!